Salut à toutes et à tous, c'est Vince Attack et nous voici pour le 7ème épisode de Pokémon version Verfeuille. J'espère que vous allez bien. Alors excusez-moi si je suis un peu enroué, j'ai eu la grippe, c'est passé mais ça va mieux. Et donc on s'en fout, c'est ma vie. Et la dernière fois on avait obtenu notre badge foudre en fouillant les poubelles, c'était chiant là. Qu'est-ce qui nous arrive cette arène? J'adore cette ville, c'est ma ville préférée. Mais bon, ça a du charme, allez, allez. C'est vraiment ma ville préférée et j'ai du mal à clasher, même si l'arène est complètement horrible. Enfin bref, et donc l'équipe n'a pas changé. J'ai juste fait du changement, je fais du ménage. J'ai mis notre ami Chetifleur dans l'équipe pour coupe et je sais qu'il est prêt à prendre Flash. Donc au lieu d'avoir 10 000 Pokémon qui ont 10 000 CS différentes, je mettrai tout à Chetifleur. Donc sinon les autres, on va refaire une présentation de l'équipe, même si rien n'a changé. Ratatak, niveau 27. Donc voilà, tunnel, larcin, de choc et croc de mort. Franchement, plein de gens me disent qu'il faut pas que je le garde, mais en attendant, il sert, donc je le garde. Air bizarre, full plante. Hein. Poudre dodo, trancherbe, vampigraine et fouilliane. Quant à recoups, charge, jet de sabtorna, vive attaque. Rien de bien nouveau. Donc, dans cet épisode, on va tout préparer pour la grotte, mais avant tout, on a plein de combats à faire qu'on n'a pas pu faire la dernière fois. Parce que y avait pas le temps. Donc, on a plein de choses à faire. D'abord, bon, alors là, cave topiqueur, on ira après. On a toutes ces zones à nettoyer de dresseur. Voilà, faire un peu d'XP. Donc, c'est parti, on va commencer. Tu veux gagner ou perdre? Je sais pas. Excusez-moi pour la toux, hein, c'est souvent dans mes vidéos, mais bon. C'est comme ça. Un petit tard, c'est la première fois qu'on en a un. C'est intéressant ça. Bon, on va laisser recoupe, même si on pourrait mettre très bien Ratatak ou Air Bizarre qui serait plus efficace avec leur. Leurs attaques, mais recoupe, ça a besoin de progresser, donc du coup je regarderai où il y en a des petits arts, c'est peut-être intéressant parce que j'ai aucune idée de l'équipe que je veux. J'ai réfléchi un peu au Pokémon feu, je pense avoir une petite idée, mais sinon le parce qu'il faut un Pokémon feu, moi je vois pas une équipe enfin une équipe Pokémon sans Pokémon feu, je ne conçois pas ça. Donc, bon, on va voir, hein, on va bien trouver, hein, enfin, on va trouver, non, je sais qu'on va pouvoir le trouver, mais ça sera très loin dans le jeu, donc on n'aura pas un Pokémon feu tout de suite, mais moi, j'aurai celui-là que je veux. Puis après, pour là, je ne sais absolument pas, on m'a donné des bonnes idées. Donc, dans Tartar, qui sera un bon Pokémon haut, ok, t'as gagné. Après, j'hésite aussi, je réfléchissais à Staros, qui pourrait être pas mal, parce qu'il est haut et psy. Et donc, ça m'éviterait de prendre un Pokémon psy, et donc laisser de la place à d'autres Pokémon, enfin, bref. Les Pokémon c'est la vie c'est le jeu. Waouh, dans ce jeu, oui, ça correspond. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on va, sur quoi on va tomber? On va tomber sur une bonne idée. Un sablette, on en a déjà un. On s'en fout. Hop, mais on fait de l'XP, il y a besoin. Hop. Au lieu de le faire en off, c'est bien plus sympa là. C'est des combats, c'est une zone intéressante ici. Il faut la faire, quoi. C'est tout, c'est comme ça. Alors. Je crois que c'est un électricien le mec en bas. Et oh bon putain, il veut pas combattre l'autre, il se casse. Il a peur, il a raison. Un piaf avec. On va faire le combat. Fierté d'oiseau. Oblige. Hop là. Très bien. Bon, alors. J'étais en train de réfléchir. Ouais, il n'y a pas de Pokémon intéressant dans cette zone, je crois. Attention au câble, oui, je m'en doutais, c'est ce qui, voilà. Alors. Donc on va lancer par Mécano Bernard. Magnéti, donc ça va pas du tout être bon. Là, on va changer. Parce que ça va pas du tout être bon pour Rokoups. Notre ami Ratatak va s'en charger. Non, Ratatak, oui. Bah pour l'instant, il est bien parti pour que je le garde, parce qu'il est assez puissant. Hein, non, mais faut le dire. Hein. Bon, ah putain, il est paralysé, ça c'est chiant. Tunnel. Hein. Ah, mais ils sont forts ces magnétiles. Ça commence à être pénible. Oh non, il peut plus attaquer. Bon. Ah, il va bien être paralysé quand il va falloir attaquer. Je le sens, je le soigne si c'est le cas. Ouais, les Pokémon électriques sont chiants des fois. Hop là. Tindou. Parce que des fois, c'est vrai que je réfléchissais. Des fois, on peut prendre avoir Sablero dans son équipe. Mais Ratatak, c'est un équivalent. Hein. Il a autant de puissance. Hein. C'est vrai, quoi. C'est juste le type qui change. C'est un normal, c'est tout. Après, faut pas le bouder pour autant, hein, ce Pokémon.
Est-ce que j'ai une antipara? Oui, j'en ai pris un paquet pour la reine. Alors. Charge, oui. Non, je veux pas changer de Pokémon. Non. Tunnel. Excusez-moi encore. Ça gratte, ça gratte, ça gratte. Comme le tunnel du Ratatak. Hop là. Super efficace encore. Un tunnel, ça change la vie, hein. C'est clair que c'est vraiment une attaque très utile. Magnéton, là, c'est cheaté, je pense. Un peu cheaté, quoi, Magnéton. Niveau 18, surtout, hein. Et encore une anomalie, voilà. Hein, il a été se fournir chez la Team Rocket, lui, hein, c'est pas possible. Boum. Voilà. T'es payé grave vite, c'est bien. Ouah, tu fais des étincelles. Merci, merci. Alors. Bon, j'ai du boulot, moi. Et ben, moi aussi. On va soigner tout le monde. Enfin, hyper potion, peut-être pas déconner. Ouais. Hop. Ça serait bien que Recoup gagne de l'XP, un peu. Pour l'instant, il n'a pas d'attaque super... Super, quoi. C'est un peu nul. On peut le dire. Alors, lui. C'est un gamin, je sais. Les Pokémon sont prêts. Eh ben... Vas-y, sûr te dire, j'aime les shorts. Gamin Dave, Nidoran, mal. Ok, ça va être chiant. On va tester en deux chocs parce que... Ah non, mais non, on a recoupe, je suis con. Je crois que je vais ratatac. Je pète des plans, ça y est. Le mec, il a re de la fièvre. Et voilà, super, pompe poison. Ah, les capacités spéciales, bordel de merde. J'aurais dû faire tornade. Ah, je vais me soigner au prochain. Nidorino, ah, il aura porté de l'XP, c'est bien. Antidote, oh, j'en ai pris. Je suis toujours prévoyant, hein. je regrette pas d'en acheter 10 000 des objets. Oh, c'est un peu con de faire comme ça. Bon, là, on fait pas la même connerie. Tornade, vu que ça le touche pas directement, on sera pas empoisonné. Oh, c'est pas très efficace, très intelligent, mon ami. T'as un Nidorino, tu sais pas t'en servir. Hop là. 25. Trop balèze, oui, je sais. Faut que j'en chope des plus forts. Ah bah, sans blague. Où est-ce que je me soigne? Une petite potion, allez. Pour chipoter un peu. Ça remet pas tout, mais c'est toujours ça. Hop. Ah, merde. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça va être? Oh, un sablette encore, on s'en fout. Et je sais plus quand il apprend cruel, parce que c'est vraiment... Ça va faire du bien d'apprendre cruel, parce que franchement, là, on manque d'attaque... D'attaque badass pour Recoups. J'adore les défis. Oh, il y a une Pokéball là-bas, j'ai pas vu. Enfin, je viens de l'avoir à l'instant. Je m'en souvenais plus. Combat est lancé par Croupier Dimitri, chez Tiflore. Ah, bah très bien. Ok, on a pas. Ah, bah si, on a Tornade, que je suis con. Ça va aller vite alors. Ça va aller vite ce combat. Ouais, chaque Croupier a un type, hein, regarde. L'autre avec les petits tards, l'autre avec des Pokémon plantes, l'autre avec. Ça sera des Goopix et des Caninos. Voilà. Ils ont tous des types. Ça, c'est marrant comme dresseur. Hop là. J'avais envie de tourner, j'allais un peu mieux, je fais hop, on va tourner aujourd'hui, c'est comme ça. J'ai eu ma chance. Dans le monde merveilleux des Pokémon, il n'y a pas de lâche. Oh, quoique, c'est pas sûr ça. Défense plus, ouais, bah c'est nul. Vu que j'utilise jamais, ça laisse des objets en combat. Ah merde, je voulais aller voir le vieux papy. Toum. Doum. Ouais. Et oh. Je suis le plus fort de ma classe. Ça me fait une belle jambe. Hein. Voilà. Gamin chon. Ratata. On garde recoupes. Il faut qu'il XP. Hein. C'est pas assez fort là. J'ai regardé un SCT, je peux rien lui apprendre pour l'instant. C'est un peu emmerdant.
En fait, ce que je regardais, il est pas même requin, ils ont pas de... Faut vraiment lui apprendre de, genre à repiquer, un truc comme ça, parce qu'il est vraiment, à part cruel, pas d'attaque super intéressante. Après, vu qu'il faut un Pokémon vol, que j'ai pas d'idée, pour la 16 vol, autant prendre un Rocarnage. Vu qu'on avait pris la passe de Big dans la version rouge, et ben là, on prend Rocarnage. C'est comme ça. Je l'ai jamais vraiment eu, Rocarnage, c'est ce que j'avais déjà dit, mais ça me permettra de le tester un peu. Comme je testerai Ratatak. Hop là. Ah, tu veux être le chef de la de classe? Non. Rien à foutre. Il y a un gros Pokémon qui vient de la montagne. Si t'es fort, tu pourrais l'attraper. Oui, je l'attraperai. Bon objet. Ah, jamais perdu. C'est ta première fois, mon vieux. Alors, on va lancer par Croupier Clément, Voltorb. Oh, c'est pas bon. Mais ils ont Ratatak. Quoique, je prends un train un peu bizarre maintenant. C'est un bizarre qu'il y a la bourre. Mais je fais pas trop attention en fait. Mais... Quoique, quand on passera dans la cave au piqueur, ça, il aura de quoi faire. Hein. Il va en taper du Topiqueur, hein, croyez-moi. Magnéti, non, on ne change pas. Lui, c'est un croupier à que des Pokémon. Ils ont tous des types, c'est assez marrant ça. Hop là. Bon, monsieur Ratatak, il veut monter niveau 30, lui va cheater à force. Vous avez battu Croupier Clément. Ma première défaite. Eh ben oui. Tu as la chance de débutant. Oh là 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 là, cette mauvaise foi. Super Ball, ça c'est bien. Parce que ça sert les Super Balls. On va aller là. On va voir ce qu'ils ont à dire. C'est dur de donner un surnom sympa à ces Pokémon. À l'avant-ville, Yayom juge les noms des Pokémon. Tu peux même t'aider à les renommer. Oui, mais non. Tu vas aller à l'avant-ville, passe par la grotte. Tu peux l'emprunter en passant par Azuria. Ok, ça j'avais compris. Mais quand on connaît pas le jeu, c'est pratique. Ah, il y a un vieux là. Enfin, un vieux, un chercheur. Cherche un Nidorina. Échanger comme nom. C'est bidon ça comme échange. Salut, te rappelle de moi, je suis l'assistant du prochain. Si tu attrapes 30 Pokémon différents, je suis censé t'offrir un cherche-objet. Alors, Vin, tu as attrapé? Oui, c'est pas vrai, mais bon. Voyons voir. Oh, tu as attrapé que 13 sortes de Pokémon différents. C'est pas grave. S'en fout. Mais c'est tard, hein, le cherche-objet. Regardez dans les jumelles. Un énorme Pokémon dort sur la route. Regardez dans les jumelles. Il n'y a qu'un seul chemin pour aller d'Azuria à l'avant-ville. La grotte. Bah oui, s'il n'y a pas l'autre. C'est pas l'autre gros balourd qui bloquait le chemin. Forcément. Parce qu'on va aller le voir. Hein. Forcément, on pourra pas le réveiller. Voilà, un petit Ronflex. Un Pokémon endormi bloque le chemin. Oh, il est mignon comme ça, Ronflex. Moi, je l'aime bien, Ronflex. C'est un Pokémon sympa. Ah, là, je suis un objet, un caillou tout seul. C'est jamais anodin. Je n'ai encore jamais gagné. Ah, bah, l'autre, il a jamais perdu. Lui, il a jamais gagné. Le pauvre, lui, il verra jamais de victoire. Alors, Caninos. Ok, très bien. Alors, intimidation, putain. Ça, c'est chiant. Surtout pour Oku, parce que. Qu'il n'y a pas d'attaque spéciale. C'est un peu emmerdant. Non, non, mais sérieux. Oh, cette blague, je m'en doutais. Bah, tiens, poudre dodo. Tiens, ça t'apprendra. Bah, on va essayer de l'avoir comme ça, hein. Pas le choix. On l'aura à coup de trancher s'il faut. Même si ça lui fera pas grand chose, parce que c'est un Pokémon feu. Oh, quand même. Le poudre dodo, ça a gardé très longtemps. Trancher aussi, Vampigraine. Je parle fameuse, tout le temps de ma fameuse combo Vampigraine toxique. Prendre avec toxique, parce que j'ai pas la patience de jouer comme ça. Alors, bah, Ratatak. Voilà. Non. Bah, croc de mort, ça suffira. Bon, bah, il gère bien les trois, là, ça va. Ça a bien tourné, ça a bien géré. Je m'y attendais. Bah, t'as l'habitude, surtout.
suis maudit, je crois. Ah, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Attention, je pose des câbles. Ils sont chiants, je les vois pas, vos câbles, d'ailleurs. Ils sont où? Et pourquoi des câbles, là? Hein? Je vois pas de lampadaire, je pose vraiment des questions à la con. Rourou, non. Parce que tu vas te faire dézinguer. C'est tout. Oh, le salaud. Allez, hop, un petit tunnel. Qu'est-ce que je le spam, ça? Mais qu'est-ce tellement que c'est pratique. Au moins, je pensais, on a vu le chercheur. On sait qu'on a 13 Pokémon, donc... On sait qu'on aura la CS Flash, vu qu'il faut 10 Pokémon, donc... c'est bon, ça c'est dans la poche. Je me suis pris du jus. Il faut économiser l'énergie. Oui. Bon, on fait le tour. Ah non, il y a encore un dresseur là. Je suis nouveau, mais je sais que je peux gagner. Ah, mais c'est important de faire cette petite zone. Ce qu'on l'a délaissé, quoi. Même si c'est vraiment pas indispensable. Vraiment pas du tout, quoi. Mais c'est pas grave. Au moins, ça s'entraîne un peu. Il y a besoin. Que ça te galère dans la grotte. Mais vraiment galère. Coup critique. On va se faire un petit nom, on ne change pas. Alors avec notre roux. UV attaque, c'est très simple. En fait, j'ai peut-être des petites attaques, mais killer ou quoi. Mais regardez, ça fait pas mal de dégâts. Hein. Oui, on sait que c'est drainé, on comprend. Alors. Bon, putain. Pas grand chose, hein. Mais aucun de sont nuls. J'ai pas dû les faire assez progresser. Quoi encore? Laisse-moi. Oh là. Des petits merdeux. Bon. Y'a rien d'intéressant ici. Oh, un sablette, on a déjà eu. Hein. Écoutez, on va même pas aller au centre. Oh, j'aurais pu le battre. Ouais. On va même pas aller au centre Pokémon. On va y aller comme ça. Ah! Lui, tiens, un dresseur. On y va, mais triche pas. Je l'avais zappé, lui. On va direct aller à la cave Topiqueur. Avec Air Bizarre, ça peut être. Peut être un endroit très dangereux. Oh, un abo. T'as niveau 21 quand même. Là, je trouve que les dresseurs commencent à avoir des Pokémon un peu plus intéressants. Ça commence à être sympa. Tout à l'heure, en regardant le Pokédex, je regarde les. J'hésite entre. Je dis Starry et Tetart comme Pokémon. Oh, enfin Tartar plutôt. Enfin, je regarde où ils sont dans le Pokédex. Non, j'irai soigner Rokouf parce que ça me saoule d'être empoisonné. Pas de gaspiller de l'antidote. Il va être KO, Rokouf, ça. Il va être KO, je lui donne un antidote. Il va être KO, il va crever. Ça va vite. Ouais, je disais, on va regarder par curiosité, voir. C'est cruel. Oh, bordel, oui. Bordel, bordel, on enlève charge. Ouais. J'ai de ça, ça peut servir. Ça peut être pas mal des fois quand on a des combats vraiment galères. On met la précision. Charge, on se sert vraiment jamais. Donc. Ah, c'est pas vrai. Putain, génial. Bon. J'ai fait de mon mieux. Pas ma faute si je suis nul. Moi, j'aime pas avoir crevé mes Pokémon. J'ai des sentiments. Mais... super potion. Allez, on va potion de Pokémon. Hein. Se faire chier non plus. Là, on va mettre Air Bizarre devant et on va aller à la cave Topiqueur pour aller chercher la CS Flash qui est plus loin. Puis on va passer par Argenta, parce qu'on a plein de choses à faire. Vraiment, c'est vraiment des préparatifs. Cave Topiqueur. Ouah, les Topiqueurs ont creusé ce tunnel. Il va tout droit, Jadiel. Wow. Bon. J'ai bien mis Air Bizarre. De toute façon, j'ai. Bah, quoique avec Air Bizarre, j'ai poudre de dos devant. Donc je pourrais choper un trio Piqueur si je. Mais je le garderai pas parce que. Ce Pokémon me stresse, je sais pas ce qu'il y a dessous, ça me stresse. Bon, allez, on va en capturer un pour le lol. Faut remplir le Pokédex, regardez, ça sert après pour les objets et tout. Puis merde, hein, on est là pour choper des Pokémon. Hein. C'est un peu le but du jeu et on l'oublie parfois. Hein. Il y a un mot de se constituer la plus belle équipe, mais c'est bien de capturer plein de trucs, ça fait un panel de choix plus élevé aussi. Puis on peut changer, switcher. C'est pas mal. Pokéball, hein. On va pas déconner non plus. Donc voilà, si le Major Bob avait rien vraiment pour l'affronter. Je conseille d'aller à la cave Topiqueur qu'il a exprès on dirait pour ça. Un bon Topiqueur, surtout un trio Piqueur si vous en trouvez un, il y en a des niveaux 29 ici. Ça fait le ménage, croyez-moi.
Voilà. Alors, un Topikeur. Et les Topikeurs sont jetés au Pokédex. Il vit à 1 mètre sous la terre et se nourrit de racines. Il apparaît rarement à la surface. Non. Bon, bah ça va, c'est tranquille. Ça va. Topikeur, on s'en fout. En fait, j'en ai plein de choses à faire, hein, parce qu'on va aller... Là, en fait, la vidéo va être longue. Encore une vidéo qui va durer 1 heure. C'est comme ça. Parce qu'après, on va... Après ça, enfin... Qu'on aura fait tout notre bordel vers Argentan, on revient là, on repassera à Ajuria chercher la bicyclette. Après, le chemin, puis on ira jusqu'à la grotte, c'est ce qui sera assez long. Bon, allez, hop. On les bute pour faire de l'XP, un peu. Car bizarre a besoin d'être plus puissant. Et là, il est un peu largué. C'est le starter, merde. Ça va être le plus fort. Tom, tom, tom. Puis ça va aussi vite que faire fuite à la rigueur. Donc, des fois, autant les faire les combats. Tom, tom, tom. Hop là. Bon, bah, notre équipe se rapproche du niveau 30, ce qui est pas mal à ce stade du jeu. Faut ça, hein, faut ça. Toujours avoir un peu, être un peu plus élevé que ce qu'on rencontre. Hop. Très bien. Tom, 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 tom. Putain, mais ça c'est long en fait. Je crois qu'on est vers la fin là, mais... Sinon, c'est très long. Hop. Comment les one-shot? Ça me stresse, Topikeur. On sait pas ce qu'il y a dessous. C'est pas comment c'est fait, tout. C'est stressant. Moi, j'ai du mal. J'ai du mal à me le visualiser. En fait. Rose, il est terrible, hein, tout. Des putains de griffes, des machins. Ah merde, pourquoi j'ai fait fuir? Ah ouais, on peut pas fuir. De toute façon, j'ai bien les combattre. Ils ont une capacité qui fait qu'on peut pas fuir. Et là, je vais me prendre un tunnel pour rien parce que j'appuie sur fuite comme un con. Allez, fais tunnel. Voilà. Ah, attends, un Topikeur sans tunnel, c'est plus un Topikeur. Genre, un Topikeur, j'enlèverai pas tunnel. C'est stressant. C'est le principe même d'un Topikeur, quoi, de faire tunnel, je sais pas. Je suis allé dans la grotte, mais je voyais vraiment rien. Si le flash d'un Pokémon pouvait m'éclairer. Wow. Pas d'objet là. Alors, ouais, non, il n'y a rien. Là, dans cette maison, il y a un échange intéressant, mais que je peux pas faire vu que j'ai pas chopé d'Abra, vous allez voir. Attends. Un Pokémon KO peut se battre, mais il peut encore utiliser des techniques comme coup. Enfin, ne peut se battre, vous avez compris. Cherche un Abra. Tout est changé contre un Monsieur Mime, mais j'en ai pas. Et voilà, tant pis. Bah tant pis pour moi, ça aurait été un bon Pokémon, Monsieur Mime, mais j'ai pas la patience de chercher un Abra 10 000 ans. Donc on va passer par là, et on va choper tous les objets qu'on voyait l'autre fois. Enfin, dans les... Peut-être dans le deuxième épisode, je dirais. Et qu'on pouvait pas choper, hop. Alors déjà, la CS, elle va être là. C'est un Pokémon à prix Flash. Putain, mais ils étaient contents avec Flash. Salut, tu te rappelles de moi? Je suis l'assistant du prochain. Si tu attrapes 10 Pokémon différents, je suis censé t'offrir une CS05. Alors Vin, ça a dû attraper au moins 10 Pokémon différents, oui. Super, tu as 14 Pokémon différents. Félicitations, voici ta récompense. Waouh. La CS Flash peut éclairer les endroits sombres. Ok, bon. Ben on va la prendre. Après, Flash, c'est pas obligatoire. Mais dans la grotte, quand on voit rien, c'est pratique. Même si là, dans cette génération, il y a... Comme dans Emerald, il y a une espèce de petit halo de lumière autour de nous. Mais bon, ça, on voit pas grand-chose quand même. Mais petit, des fois, la grotte, je me la faisais vraiment dans le noir, dans la version rouge, hein, je me rappelle. Donc, on va la prendre à Chétiflore. Voilà. T'as l'air bizarre. Je sais pas pourquoi les Pokémon plantes peuvent faire de la lumière, mais... C'est une lampe Chétiflore. Bon, les, on s'en fout, c'est vraiment le Pokémon... Je suis désolé, Chétiflore, mais c'est vraiment le Pokémon... Bah, la poubelle, elle en va être gentille. Couteau suisse. On va descendre en bas parce qu'il reste 2-3 objets, je pense. Voilà. Tout simplement, quoi. Huile, c'est utile. Non, mais c'est utile de l'huile.
de l'antipara aussi, on a bien vu, hein. On est souvent paralysé, donc je dis pas non, bon ok. On va à l'Argentin maintenant, parce que tant qu'on y est, on le fait. Tant qu'on n'est pas loin, on fait tout d'un coup. Putain, les arbres, ils repoussent vite ici, hein. Putain. Plouf. Ah là là, Pokémon, être bloqué par un petit arbuste, c'est beau. J'ai des fleurs, coupe. Oui, alors comment chercher? Bah oui, il y a un endroit où on pouvait, je vous l'avais dit, on pouvait pas passer d'un endroit dans le musée, mais il fallait coupe, donc maintenant qu'on a coupe, on y va, hop. Ça va vite là, parce que c'est vrai que dans les premières générations, parce que je réfléchis, là, le personnage peut courir, ça va à une vitesse. Alors que qu'avant on pouvait pas, c'était long les déplacements. Et là le bicyclette je l'aurais mais je l'utiliserai même pas, je trouve courir ça va aussi vite. Hein. Le secret de l'espace, les mystères de la Terre. Il y a tant de choses que nous comprenons pas encore. Mais cela doit nous motiver à apprendre davantage. D'ailleurs tu veux que j'apprenne Frappe Atlas un tes Pokémon? J'ai personne qui peut l'apprendre là, enfin moins que. Bah non mais je peux pas là. Bah non mais plus tard. Ah faut que j'y pense, Frappe Atlas. Non mais ils apprennent plein de capacités dans cette génération, c'est sympa là, enfin. Dans deux fossiles dont nous sommes très fiers. Ce sont des Pokémon préhistoriques. Je crois qu'il y a des traces d'ADN de Pokémon dans ce morceau d'arbre. Ce serait une avancée scientifique incroyable si on pouvait régénérer un Pokémon à partir de cette pierre. Non, hein? Mais personne ne m'écoute. J'ai une faveur à demander. Apporte ça à mon labo Pokémon pour l'examiner. Ok. Chut. Va faire examiner ce morceau d'arbre, oui. Bon, alors c'est le labo, il est à cramoisi, hein, donc... C'est dans très longtemps qu'on va le faire, mais bon, moins c'est fait, les récupérer le fossile. Parce qu'après, je risque complètement d'oublier. Hop. Doudou, doudou, doudou. Bon. On repasse par là. Non, on a flash. On est peinard. Tom, tom, tom. Alors, un topiqueur. Ouais, je fuis. Comment on peut pas. C'est con parce qu'on pourrait, je pourrais pas fuir à tous les coups donc. Je vais refaire comme tout à l'heure. On va les taper. Voilà, on est comme ça. Et ça fera de l'XP, c'est toujours ça. Il y a un trio picker, je le chope. Ça fera. Il m'évitera de le faire évoluer. Le deux picker, ça me fera ça dans le Pokédex en plus. Alors. Tom, tom. Alors, Fouillon. J'ai étonné qu'il n'y en ait pas beaucoup des Fouillon dans PP. Je sais pas pourquoi. J'ai envie de regarder des trucs. Résumé. Pourquoi Fouillon c'est si rare. Enfin, niveau PP, c'est pas si fort. Pourtant, il y a un truc bonus. Ça fait des coups critiques. Hop. Tranche avec des feuilles de critique élevée. Voilà, c'est pour ça que c'est intéressant. Et ça, faut être l'ennemi avec des Fouillon. Alors ça a une précision de 100 mais un pouvoir de 35. Donc je comprends pas. Bon bref c'est pas bien grave. C'est... Pas chercher à comprendre. Pokédex alors oui. Mer je pense que... Alors un Starry, on en chope où des Starry? D'accord. Ouais bon il peut y avoir cramoisil tout ça, oui. Dans les petites heures je pense pas que c'est là. C'est dans les marécages plutôt je dirais. Alors, petit art. Putain, il y en a partout. Ouais, je pense qu'il faut une bonne canne à pêche. Hein. Bon, ça va, eux, ils sont moins rares que les Starry. Mais je sais pas. Je me dis bien qu'il faudrait un Pokémon Psy pour cette aventure. Ça serait vraiment pratique. C'est pour ça. Fonction 2, ça sera soit l'un, soit l'autre, je pense. À moins que j'ai d'autres idées. Après, je pourrais prendre l'eau classe et tout. Mais c'est du vu et revu pour moi. J'ai envie de changer. Bon. Air bizarre XP lentement mais sûrement dans cette grotte. Mais il XP. Je vais plus avoir de folie à force. Oh, dernier folie. Quoi? Il était plus rapide que moi? Non, c'est quoi ce topiqueur cheaté? Je suis pas d'accord. Oh, j'ai plus de PV pour cette capacité. Et on peut pas se casser pendant qu'il. Ah oh, putain. J'aurais bien trollé comme ça. Alors, ah, mais on se casse. Ça va faire mal.
Et boum! Tum, tum, tum. Oh là 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 là, que c'est long, que c'est long, que c'est long! Mais bon, faut les... c'est bien de faire les combats. Ça évite tout l'XP. Pour l'instant, j'ai pas eu à faire d'XP en 9, je crois. Pas par Roucool quand j'avais fait XP, mais sinon. Ça va, j'ai pas trop à en faire. Progresse bien. Après, c'est assez tassé, j'ai 3 Pokémon que j'utilise. C'est assez tassé. En fait, j'ai l'air bizarre, il évolue tout, il évolue niveau 32, ça c'est cool. Ça. Qu'on aura vite un gros Florizarre badass. Au cours de recoupes, hein, on va le soigner, puis on va partir direction Azuria, tout simplement. Bienvenue. D'abord, on va acheter des objets parce que enfin, même si on va pas aller à la grotte tout de suite, enfin si on va y aller, je veux dire, pour éviter de faire 10 000 allers-retours quand on sera dans la grotte, ça sera plus pratique. Alors, épisode préparatif. Voilà, hop. Super potion, oui, on va en prendre. Ouais, 10, parce qu'on est comme ça. Les antidotes, on en reprend quelques-uns. Antipara aussi. Des réveils aussi, parce que je me méfie avec les rameaux, enfin je sais pas quoi. Parce qu'on peut tomber, et les dresseurs dans les grottes sont assez balèzes. Sinon des, je sais pas, des hypnos, enfin des hypnomates peut-être pas, mais des soporifiques, des trucs comme ça. Je préfère me méfier. Et puis voilà, hop, c'est parti. On trace, hein. On va chercher la bicyclette, même si on va pas l'utiliser. Parce que... vu qu'on, quand on peut courir, je vois pas l'utilité en fait. Mettre les bicyclettes, la ranger, enfin c'est chiant quoi. Ah, j'adore cette musique, c'est paisible. Tonton. Alors. J'aurais dû laisser un Pokémon à la pension, ça peut être drôle. Puis après je reviens 10 000 ans après voir s'il est fort. Je l'avais fait dans Emerald, je crois que j'avais peut-être cherché, donc je vais vous dire. Ah oui, c'est bougé le Ramolo, le Flagados, ça y est. Un Flagados aussi, ça peut être une option parce que... ouais, il est haut et psy, et puis là il est marrant. Flagados flan. Allez Flagados, attaque, attaque. Allez Flagados, fais un peu attention. Ah, j'aime bien aussi. Regardons dans le Pokédex où il y en a, lui. Je pense que c'est marécage plus que mer. Après je pensais qu'il y en a aux îles écumes des. Ah, fais voir. Oh, il y en a partout. Il y a moyen d'en choper un. Ça peut être marrant un Flagados. Un Ramolo, enfin un Flagados, voilà. Ouais, parce que Rogada, je l'aurais pas. Ça va trop galère de le faire. Vu qu'on est sur émulateur, hein. Et que sur émulateur. C'est galère de faire des échanges. Il y a moyen. C'est bon. Ah mais ça, si je pouvais vous filmer ma Game Boy, des fois je le ferais, mais c'est que. Ça sera moche quoi. Il y a pas d'adaptateur donc on passe par là. Oh mais c'est un bon pour une bicyclette. Voilà ta bicyclette. Ok merci. Reviens quand tu veux. Ok. Bon voilà c'est juste pour vous montrer après. Hein. C'est juste pour ça que je fais ça. Donc c'est parti maintenant. On part en direction de la grotte. On a plein de combats qui nous attendent. Hop là. Oui bah c'est moi qui l'ai laissé ce maintenant. Haha. Je suis un peu méchant là. C'est pas cool de faire comme ça. Le pauvre. Il a déjà plus de maison. Il est blasé parce qu'il a plus ses CT. Hop là. T'as des Pokémon avec toi en garde. Allez, ça commence. Et c'est des longs combats. Des longs combats. Ah oui. Alors, cruel, on va s'amuser. Cruel, il y en a beaucoup, et c'est fort, et ça fait des coups critiques. Ouais. C'est pour ça, même si j'ai pas mon Pokémon feu tout de suite, je sais que je l'aurai vers... pas vers... un petit peu vers la fin du jeu. Enfin, je l'aurai avant la ligue et avant la dernière arène. Mais c'est pour ça, l'arène de type plante, c'est la deux pôles. Raukoups va aller défoncer, voilà. Pas besoin de Pokémon feu, forcément. Que je pourrais prendre, ouais.
Non, ouais, je pense que... On va faire comme ça, on va essayer de... Je me fais plaisir, quitte à attendre un peu. Oh là, j'ai pas d'idée. Pas... C'est ça qui est chiant, on n'a pas des masses de Pokémon Feu en général. Même si là, ils en ont rajouté dans la dernière génération, ils sont vraiment pas mal du tout. On a toujours pas assez, à mon goût. En minorité. Ça, c'est pas bien. Donc les Pokémon O, il y a que de ça, quoi. Ah, bien défendu. Ah, les Pokémon O, je me pose pas la question, j'ai 10 000 choix. Hein. On n'y voit rien du tout dans ce tunnel. Il te faudrait Flash pour le traverser. Je bloupe. Arrêt au piqué, putain. Ah mais recoupe, ça y est, il va prendre toutes ses bonnes attaques maintenant en fait. C'est à ce stade-là du jeu. C'est... Putain. Ouais, elle loupe jamais cette attaque. Alors. Oui. Alors, ce qu'on va... Bah, ça va bien remplacer Vivat... Vivat... Attaque. Bah ouais, mais cette as c'est toujours en premier attaque. Bon, j'ai enlevé j'ai de sable, hein, on s'en fout, allez. C'est vraiment pas mal là, le notre coupe hein. Ça y est, ça y est. Ça y est, il a fallu cet épisode pour bouger. Ouais, parce que là c'est un montagnard, donc j'ai bien fait de mettre bizarre, même s'il peut avoir des matchocs. Bouhaha! Allez, viens prendre ta pâté. Ah ben, c'est bon la pâté. Hein? La pâté de racaillou, moi je vais faire. Allez, matchoc, j'ai pas eu de chance. Tant pis. Oh là, on va l'avoir à coup de trancheur, ce. Tin, tin. Onyx, non, on ne change pas. Non, 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 non. Tin, non, 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 non. Vous avez battu Montagnard Maurice. Ah, viens, viens. J'ai plus de Pokémon. Eh ben voilà, eh ben. Complètement on game, mon pauvre. T'as du courage, toi. Non, je suis badass, c'est tout, je suis fort. Fort en chocolat. Oh là là. Et franchement, quand je dis vraiment de la merde en ce moment. Ah, il y a des Dardarion, je crois. Mais qui voilà, les bras chargés de Pokémon. Ah non, c'est un scout. Je sais plus. Je sais plus. C'est les scouts. C'est un scout. Il me rappelle, il y a deux Dardarion. Ça m'a marqué. Je sais pas pourquoi. Bon, ouais. Oh, intimidation. Oh. Il fait que retarder l'échéance, mon cher. Non, pourquoi je suis attaque? Je voulais faire arrêt au piqué. Mais c'est très bien, attaque aussi. Putain. D'accord, ok. Tout va bien. Salamèche. Oh putain, Salamèche. Là, tu rigoles pas, toi. Allez, on va tester arrêt au piqué. Oh, c'est moi, moi fort vif. Ah, regard vif, un peu. Ça, c'est bien, cette capacité. N'empêche, franchement, là, on a un bon Pokémon vol, là, franchement, nickel. J'en suis très content. Paf, je suis fini. Passe ton chemin. Oh. Ah oui, c'est lui qui a les insectes. Les cocons de Pokémon me prennent beaucoup de temps. Bah, oh. Bah, au moins, toi, tu les fais évoluer, pas comme les autres gueules, là. Vous pouvez les faire évoluer depuis bien longtemps. Ouh, putain, il est bien fait Dardarion, j'aime bien. Jamais essayé, lui aussi j'aurais pu l'essayer, tiens, mais bon, pas tout essayer. Ah bah là, l'avantage du type fait que ça explose, puis bon. Quand même bien connu que les oiseaux face aux insectes, c'est toujours plus fort. Ça les bouffe, quoi. Tain, non, non. Niarg. Ah bon? D'accord, Niarg. D'accord, ok. Quelle perte de temps. Et Niarg. Il me faut autre chose que des insectes pour être plus fort. Alors là, est-ce qu'il y a des Pokémon rares et anciens? Pas vraiment. Vas-y, moi je me la pète, moi. Toi, t'sais pas faire ça, toi. Voilà, il a. Ah, je sais pas, peut avoir des trucs. Je sais pas. Non. Des Pokémon. Ouais, bon, c'est un peu toujours le même délire. Hein.
un peu chiant. On se casse. Mais pas gâté, hein. Enfin, franchement, moi qui veux des nouveaux Pokémon là dans l'équipe, je suis pas gâté, j'ai pas d'idée. Allez, encore un scout. En avant, un Pokémon insecte. Et lui, il va me sortir un chenip, hein. Je vais être blasé. Chenipan est envoyé par Scout Gérard. Voilà, voilà. Ah mais super. Il y a du challenge. Aspico, non, ne change pas. Bon, vive attaque, on va même pas se faire chier. Ah, Mimito, ça bah voilà. Enfin, un Pokémon insecte à peu près rare. Rare même. Non. Hop, on l'a eu. T'as Igram, ça y est, recoupe s'il est. Il a pris toutes ses nouvelles attaques, là, il sent plus pisser. Mais Pokémon. Eh ben, écoute. T'aimes pas les Pokémon insectes? T'es pas chouette. Oh là 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 là, il y a du niveau, il y a du niveau. Bon, on met terre bizarre. Ah oui, recoupe, ça y est, c'est recoupe ce qui a pris la tête là. Ah ah, t'as l'air coriace toi. Mais je le suis, c'est pas que j'ai l'air. Enculé, là. Pardon. Oh, ça me suis un peu mal poli là, j'aime pas ça. Du coup, c'est pas bien. C'est pas très gentleman. Raikai, you. J'aime bien les montagnards. Je le dis tout le temps, mais j'aime bien ces dresseurs. Ils font marrer. Raikaiou. La tranche, ça fait le ménage. Ça, ils ont tous des bonnes attaques, là, les trois, là. Faire un de ces ménages. Ça va faire mal. Machoc. Oui, on va changer. Et on va mettre au coup. Voilà. Je joue intelligemment. On joue par type. Il est mignon, Machoc. Genre, je l'aime bien, Machoc, dans ce jeu. Il est bien fait, franchement. Bien foutu. Dur, très dur. Les gosses, c'est pas assez fort. Ah bon? Et... Bon, d'accord, t'es trop bête. Je sais pas, il y a quoi là, battre. Je vais mettre... Bah, ratatac, là. Voilà. Donc, je sais pas trop. Traite-moi avec respect. Non. Je respecte rien ni personne. Rien à foutre. Miaous, oh, hein, miaous. Je crois que c'est la première fois qu'on en voit. Hein. Je dis pas de conneries. Hop là. Mais on l'aura pas vu très longtemps. Ça, c'est clair. Je ne mérite que ton dédain. Voilà, voilà, là je préfère quand tu parles comme ça. Voilà. Tu iras loin, bonne chance à toi. Merci. Et voilà, on est déjà vers la fin. Alors là, il y a la centrale et patati pat. Et on va pêcher là, on sait jamais ce qu'on peut trouver. Même si on a une canne qui sert à rien. Qui jappe que des Magikarp, on sait jamais. On sait jamais, peut-être que on a une chance de choper autre chose. Merde, objet rare. Putain, on peut pas aller en arrière. Ah d'accord. Excusez-moi. Un Pokémon a mordu à l'absin. Oui, c'est un Magikarp. Et voilà, bon. Faut que j'arrête d'espérer tomber sur un truc sympa. Pas déconner. Je crois qu'il y a des Voltorbes là, vu qu'on est pas loin de la centrale. Bon, tant pis. De toute façon, on ira plus tard à la centrale. Mais écoutez. Attendez. Par contre, avant d'aller au centre Pokémon et finir là, il y a une dresseuse là qui, à chaque fois, je me fais avoir. Il y a une dresseuse aussi. Je reviens de l'arène Pokémon, mais je perds tout le temps. Elle était trop nulle. Retourner à l'école, je sais pas. Moi. Pique-nique, Eddie. Pikachu! Oh putain, non. C'est dangereux, un Pikachu. Ah, t'as creusé un trou. T'as souplesse. Ah, j'aurais cru genre une attaque électrique, ça aurait été chiant.
Est-ce que statique ça avec tunnel ça le fait? À moins des fois que ça le fasse une fois sur deux et que peut-être qu'il est. Qu'elle l'avait plus, hein, je sais pas. Non, on garde. On sait jamais s'il y a des attaques psy contre Herbizar, on sait jamais. On sait jamais ce qui peut nous sortir, oui boob. C'est super nul ça quand il y a. Quand c'est un combat 1 contre 1, ça sert à rien cette attaque. Hop là. Bon. Ben on aura bien fait le ménage. Ben voilà, j'ai encore perdu. Et ben et voilà, ok, c'est comme ça. Je rencontrerai des Pokémoniacs dans le coin. Très intéressant. Bon, on va parler aux gens. Ah, encore un mec là. Qu'est-ce qu'il dit? Salut Vince, je te charge le gisant du prochain. Si tu attrapes 20 Pokémon différents, je suis censé t'offrir une pierre stase. Alors Vince, si tu attrapes 20 Pokémon, oui, je sais pas. Oh, en même temps, je m'en fous d'une pierre stase. Ça, pour l'instant, ça peut me servir. Dit qu'il y a des spectres à l'avant-ville. Waouh. Il y a le type d'un Pokémon a avantage ou pas par rapport aux autres Pokémon. Chaque type a des avantages et des inconvénients. Et le gros là. Le gros en Marcel. J'ai vendu une pépite pour 5000 Pokédollars. Bon. Ben, on va se soigner. Et puis je vais vous dire à la prochaine. Hein. Tout simplement. Hein. À la prochaine, on va traverser cette putain de grotte. J'ai posé Topiqueur qui me sert à rien, tiens. D'ailleurs. Hop. Hop là. Ça me stresse d'avoir de Pokémon qui ne servent à rien dans l'équipe. Voilà, donc bah, j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu, un commentaire, à vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Et je vous dis à la prochaine où on va galérer dans cette grotte. Mais elle est bien cette grotte. Il y a des combats super sympas, vous allez voir, c'est toujours bien. Et puis voilà, prenez soin de vous et à la prochaine. Salut à toutes et à tous.